13番街など沈めてしまいましょう。貴様どこで道を間違えたか。ポンポヒルズを管轄するドラグノフ隊長は今この瞬間に死ぬ。ランブルタウンで変な奴に会ったんだ。そいつ Voilà, contrairement à son héros 7, il n'est pas arrivé sur un balai magique. Bienvenue Tony Valente. Merci d'être avec nous. Vous arrivez tout droit de la Japan Expo, hein, où vous étiez en train de dédicacer. C'est tout le week-end, je disais, à Villepinte, en région parisienne. Alors, on va regarder quelques chiffres, hein. 250 000 festivaliers attendus, 389 artistes invités. C'est le rendez-vous le plus important en Europe. Comment vous l'expliquez? Il y a une vraie passion française pour le Japon et surtout pour le manga. Ouais, on a commencé avec les dessins animés à la télé, et puis après on s'est tous mis à lire les séries qu'on suivait. Donc ça fait quand même pas mal d'années. C'est comme ça que j'ai contracté le virus moi-même. C'est comme ça qu'on a été tous un peu touchés, puis on le transmet après aux petits frères, aux petites sœurs ou aux enfants, dans mon cas ma fille par exemple. Donc voilà, qui vit donc M Radiante, on imagine. Une série qui fête ses 10 ans cette année. Oui. Radiante est désormais publiée dans 22 langues, dont le japonais. Est-ce que là aussi vous arrivez, c'est compliqué, je pense que vous n'avez peut-être pas de réponse, à expliquer le succès de votre shonen. C'est comme ça qu'on dit, hein, le shonen, oui. Le héros, c'est-à-dire le jeune homme. Pourquoi Seth a fait la différence par rapport à d'autres shonen? J'ai aucune idée, j'ai pas de réponse, je suis désolé. Non, on est plein à essayer de faire de notre mieux pour que, quand la chance tourne, on soit prêt en fait. Et la chance a tourné pour moi, donc j'étais prêt, j'avais travaillé depuis longtemps, mais il y a bien un gros facteur chance au milieu, c'est clair. Facteur chance, mais aussi travail, si on en croit vos éditeurs, hein, quand même, il ne faut pas s'y tromper. Il y a aussi une dimension sociale, semble-t-il, qui a plu. En France, en tout cas, oui, c'est le cas. Ben, j'ai essayé d'écrire une histoire qui racontait aussi le monde dans lequel je baigne, donc j'ai raconté un petit peu la société française à ma sauce en mode fantasy. Je viens de Toulouse, ouais. Et en ayant grandi dans une cité, en ayant grandi avec des parents pas forcément français, puis tout un tas de choses qui me parlaient, qui me semblaient naturelles de montrer, dans un contexte différent qui est le shonen manga fantasy. Puis peut-être que ça fait une différence, peut-être pas, j'en sais rien. Vraiment. En tout cas, vous avez envie de continuer avec lui, avec Seth, comme avec One Piece, qui quand même est le manga le meilleur, semble-t-il, et surtout qui n'a jamais de fin. Il y en aura une à un moment donné, mais pour le moment, il est bien parti. Moi, je vais pas aller aussi loin. Eiichiro Oda, il est quand même dans le Guinness World Record pour le plus grand nombre d'exemplaires d'une même bande dessinée publiée par un seul auteur. Donc, c'est votre modèle et celui de beaucoup de mangaka et d'amateurs de manga. Il a fait appel à l'intelligence artificielle. On l'évoquait tout à l'heure pour les acteurs. Donc, ce mangaka a fait appel à ChatGPT, pour le nommer. Okay. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne connaissais pas. La décote Non. Il n'avait plus d'inspiration, il s'est dit pourquoi pas. Okay. Et ça vous inquiète ou pas? Parce que ouais. C'est vrai qu'après on peut se dire que finalement l'intelligence artificielle va me remplacer, va vous remplacer, va remplacer tout le monde. Ouais. Déjà il faudrait voir si c'est vraiment une vraie nouvelle et s'il l'a fait, dans quel contexte il l'a fait. Je pense que ce serait intéressant de savoir vraiment, plus que juste est-ce qu'il a pris inspiration dans le chat GPT, ça m'étonnerait. Ça fait des années qu'il nous montre qu'il a de l'inspiration à foison. Ce serait bizarre que d'un coup, il se mette pour l'inspiration, à le faire. Et est-ce que le succès des mangas, c'est aussi parce qu'ils sont plus surprenants que d'autres auteurs européens, occidentaux, qui a vraiment une créativité qu'on a peut-être perdue Je vous pose la question innocemment, je ne sais pas. Oui, ça m'étonnerait qu'on ait perdu la créativité. C'est juste que le manga étant un format très, très différent et qui laisse la place vraiment à beaucoup de volume. Donc, autant de place pour développer les personnages et les intrigues. C'est différent de raconter juste une histoire par an avec une cinquantaine de pages. Donc c'est vraiment comparer un film cinéma avec une série télé. Ce sont deux médias qui sont très très proches, mais dans le traitement du contenu et dans le rythme, qui sont vraiment très très différents en fait. Alors il y a une petite baisse quand même selon des chiffres, 18% en volume de baisse de vente de manga. C'était aussi le cas l'année dernière. Est-ce que vos éditeurs vous mettent une petite pression? Est-ce que vous-même vous avez une petite pression ou vous dites non, je continue Non, ouais, pour mon cas ça continue d'augmenter par exemple. Donc je pense que c'est le volume global de manga qui se vend et toutes les nouveautés qui se vendaient jusque-là. Peut-être que c'est là que ça baisse, mais d'une manière générale, les séries se portent encore mieux. Et vous l'avez vu justement à la Japan Expo? Oui, entre autres. Et est-ce que vous faites du webtoon?
Ça vient de Corée du Sud, c'est-à-dire que maintenant, c'est des mangas qu'on lit sur son téléphone portable, sa tablette. J'en lis, et quand j'en lisais, il y a une quinzaine d'années, c'était des titres, un titre allemand, un titre sud-américain, c'était pas forcément des Coréens. Mais bon, c'est vrai que les Coréens, ils ont mis une claque à tout le monde quand même. Et vous souhaitez continuer avec Radiant ? Vous avez d'autres... vous aviez des spin-offs, mais voilà, c'est un personnage qui vous nourrit toujours ? Toujours, oui. Ça fait 10 ans, là. On a fait un bon bout de chemin avec tous les lecteurs, toutes les lectrices qui m'ont suivi. Puis donc ça va continuer. Pour le moment, ça va continuer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Que ça continue à être lu, je pense. Ce serait le mieux. Eh bien, on vous le souhaite. Voilà, les 10 ans de Radiant, vous pouvez... Donc, on peut vous rencontrer encore ? Vous retournez à Japan Expo ou pas ? Oui, Japan Expo, je suis là demain après-midi, dimanche. Voilà.